écoute, en tout cas, on est, si ce n'est pas moins de 250 par jour, dont la moyenne. La fois passée, il y a eu un jour où c'était même à 400. Oui, il y a quelques jours ici, un jour où c'était à 400, n'est-ce pas? Voilà un peu la gravité de la situation, n'est-ce pas? La moyenne journalière maintenant, c'est entre 270 et 350. Voilà. C'est une moyenne qu'on n'avait jamais atteinte lors de la première vague. C'est vous faire tester, et après, si vous êtes positif et que vous n'êtes pas malade, restez chez vous à la maison pendant 14 jours, plus ou moins. Donc, mais il n'y a eu que pendant 2 mois, un peu plus de 500 personnes. Essayer de réduire le coût, parce que j'ai appris qu'il y, y en a qui demandent une caution, c'est-à-dire de 6 000 $, oui. Ça c'est quand même un peu trop. Oui. Je crois que nous allons continuer à parler avec ces hôpitaux. Mais il faut reconnaître aussi que l'État n'a pas suivi par rapport au paiement de ces hôpitaux. Mm. Que je devais l'appeler, je n'ai pas encore eu le temps de l'appeler. Au courant de la semaine, je vais l'appeler pour qu'on puisse en parler. Mais ce que je veux vous dire ici, il y a aussi un comité scientifique, n'est-ce pas, qui doit approuver tout ça avant qu'on puisse l'arriver sur le marché. Il y a eu une première vague, une deuxième vague, et si on n'y prend pas garde, il y aura peut-être une troisième vague. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pensez qu'on doit atteindre une immunité collective pour espérer un jour vaincre cette pandémie? Bon, c'est une nouvelle maladie, n'est-ce pas? Les Anglais ont tenté, n'est-ce pas, de trouver des solutions permettant aux gens de circuler normalement. Ils pensaient que quand les gens sont contaminés, il y aura une immunité collective, mais cela a échoué là-bas. C'est pourquoi ils sont rentrés vite. Ils ont dit, voilà, on confine les gens comme tout le monde. Et par rapport aux études, n'est-ce pas, l'immunité collective n'est pas encore prouvée. Il est vrai que vous pouvez, quand vous êtes malade, vous pouvez que vous soyez, que vous présentiez des symptômes ou pas, vous avez des anticorps. Mais on ne sait pas jusque quand ces anticorps vont vous protéger. N'est-ce pas? J'ai lu une étude de la semaine passée des Anglais qui disait que ces anticorps peuvent vous protéger pendant 5 mois seulement. N'est-ce pas? 5 mois, c'est peu.
C'est moi ce que. C'est pourquoi nous allons recourir, en tout cas le monde entier, va recourir à la vaccination. La RDC également. C'est un passage obligé. Malgré toute cette polémique. Non, non, c'est un passage obligé. Je crois que la population a raison de jouer à la prudence. Et c'est pourquoi nous sommes derrière cette population-là. Nous jouons aussi à la prudence. Mais nous voulons dire à la population, comme dans toutes les autres épidémies, rougeole, poliomyélite et ainsi de suite, Ebola, c'est le vaccin qui est la meilleure solution, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe avec la COVID-19, avec les rumeurs qui sont passées, et nous aussi, nous jouons la prudence au niveau du gouvernement. On s'est dit, voilà, vaccin, oui, mais quel type de vaccin? C'est ainsi que nous avons mobilisé une équipe sur place qui va étudier tous ces vaccins-là qui sont mis dans le marché et nous faire des recommandations par rapport au type de vaccin qui sera utilisé ici au Congo. N'est-ce pas? Et aussi, nous nous sommes dit que les gens qui ont inventé ces vaccins-là puissent se faire vacciner d'abord. Nous n'allons pas nous jeter dans l'eau directement comme ça. Alors, il y a des campagnes de vaccins en Europe, il y a des campagnes de vaccins aux États-Unis, et nous allons observer. Et puis, il y a d'autres pays africains aussi qui ont commandé les vaccins. Le Congo-Brazzaville pourrait commencer, je crois, en mi-février. Et puis, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire qui ont commandé. Et nous allons observer. Après un ou deux mois, si ce vaccin-là ne présente pas d'effet secondaire majeur, n'est-ce pas, à ce moment-là, nous, on va dire au président de la République, voilà, nous, en tant que techniciens, nous avons trouvé que tel ou tel autre vaccin peut être donné aux Congolais parce que ça donne de bons résultats. Donc voilà, nous sommes derrière la population, nous jouons à la prudence avant que je ne puisse permettre la campagne de vaccination ici, il faudrait que je vois très clair comme je suis le numéro 1 de la santé. De la santé, donc vous allez avoir Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure évoqué ce problème de débordement des hôpitaux. Mais alors, comment le gouvernement, puisque vous représentez le gouvernement ici, comment le gouvernement compte-t-il pallier à cette situation? Est-ce que vous pensez construire encore des hôpitaux? D'abord, la Chine a fait cela. Oui, d'abord, nous avons des lits de réserve au niveau de l'hôpital cinquantenaire, n'est-ce pas? Au niveau de l'hôpital cinquantenaire, nous avons un peu plus de 300 lits, n'est-ce pas? Et ces lits ne sont pas encore utilisés. Donc, heureusement, comme je vous ai dit, que les gens guérissent beaucoup plus rapidement que pendant la première vague. Donc ils sortent, n'est-ce pas? Même si nos hôpitaux sont surabondés, hyperabondés, je crois que la rotation là, entre les gens qui sont guéris et les gens qui entrent, en tout cas jusque-là, on la maîtrise. Mais il y aura un moment, parce que si la population continue à ne pas respecter le geste barrière, et que la transmission atteint un plus grand nombre de la population, alors à ce moment-là, on peut activer l'hôpital cinquantenaire pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de lits. Mais pendant ce temps, il y a quand même des structures qui sont abandonnées. Prenons l'exemple de la clinique Kimas, c'est un grand hôpital. C'est pas abandonné, il y a tout un pavillon qui était aménagé pour recevoir le malade de Covid. Est-ce qu'actuellement les malades sont là? Les malades ne sont pas encore là. Nous devons y mettre quelques équipements. Et puis les frais de fonctionnement aussi de ces pavillons-là. Il faudrait qu'on puisse trouver. Donc ce qui nous fait défaut ici, ça il faudrait le dire, c'est le moyen. C'est le moyen, en tout cas c'est difficile de trouver le moyen. Même si c'est la santé aujourd'hui qui pose des problèmes dans le monde entier,
Mais ici, chez nous, le moyen, j'ai écrit, j'ai demandé, mais on ne me donne pas de moyens. Mais vous n'avez pas le budget et ça n'a toujours pas le droit. Non, et je comprends un peu, c'est parce que nous n'avons pas de recettes à cause de cette maladie. Nous avons passé 5 mois sans générer de recettes ici au Congo. Mais il faudrait que nous puissions comprendre que le problème de santé doit être un problème primordial. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de m'être vieux parce que vous êtes en bonne santé. Non. Mais sauf si vous n'étiez pas en bonne santé, vous ne serez pas là. Beaucoup de choses se racontent sur la décision qui a été prise récemment pour fermer les écoles. Vous me suivez aussi dans les réseaux sociaux, tout le monde se dit pourquoi les écoles, là où il y a les enfants qui sont moins vulnérables par rapport à cette pandémie, pendant ce temps, on laisse d'autres lieux de rencontre qui réunissent les adultes qui sont vulnérables à cette pandémie. Vous avez suivi et c'est une décision vraiment contestée. Non, c'est contesté parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et moi, je crois que la première vague nous a donné des leçons. N'est-ce pas ? Nous avons appris beaucoup de choses pendant la lutte, pendant la première vague. Alors, est-ce que nous devons le faire la même chose, n'est-ce pas? Fermer tout au même moment, parce que pendant la première vague, il y a eu confinement. On a fermé les églises, on a fermé les écoles, on a fermé le commerce et tout ça. Et nous étions asphyxiés économiquement. C'est ainsi que, cette fois-là, on s'est dit, on va étape par étape, n'est-ce pas, tout compte. Si on ferme quelque part, c'est que ce qui devait se passer, par exemple aux écoles, aux universités, comme contamination, ne se passera plus. Donc il y aura déjà, on a gagné de ce côté-là, n'est-ce pas? Alors, il faudrait dire que, parce que j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux, voilà, on a fermé les universités, les écoles, et pourtant les bars restent. Vous savez, nos enfants, même si ils ne plaisantent pas la maladie, un grand pourcentage d'enfants ne plaisantent pas à cette maladie, mais nos enfants vont contracter la maladie pendant qu'ils sont à l'école ou dans des universités. Quand ils rentrent à la maison, ils contactent leurs parents, leurs oncles qui sont beaucoup plus âgés, qui ont beaucoup d'autres maladies, de comorbidités, et ce sont ces gens-là qui souffrent. Et maintenant, avec la deuxième vague, on a remarqué aussi un bon nombre d'enfants en souffrent. Donc ce n'est plus comme dans la première vague. Quand vous voyez, vous consultez les statistiques à l'INERVE, au secrétaire technique, vous allez voir qu'il y a un bon nombre d'enfants qui souffrent maintenant de cette maladie-là. Et vous voulez qu'on puisse ouvrir les universités, ouvrir les écoles et livrer nos enfants comme ça. Et après une semaine, on va remarquer des malades en cascade, des décès en cascade au niveau des écoles et on va refermer les écoles. Ça, ce n'est pas une décision responsable. Je crois que la décision responsable qu'on a prise, c'est de protéger nos enfants. D'abord eux-mêmes, pour leur santé, et puis aussi pour la santé de leurs parents à la maison. Mais à quand l'ouverture, justement? L'ouverture, nous sommes en train d'observer la courbe de contamination. Pour le moment, cette courbe est ascendante. Et ça tend vers le plateau, n'est-ce pas? Et après le plateau, la courbe va descendre. Et c'est quand la courbe de contamination va commencer à descendre, qu'on va se réunir avec les autorités des établissements scolaires, universitaires, tout ça pour leur dire, voilà, on peut commencer avec l'enseignement. Mais pour le moment, il faudrait que je dise à la population, que je dise à nos enfants, qu'il n'y aura pas d'année blanche, n'est-ce pas? Ça, c'est un principe acquis. Mais nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, la courbe de contamination. Et je crois que bientôt, quand ça va commencer à descendre, on va ouvrir les institutions.
Monsieur le ministre, est-ce que ça vous arrive de faire une tournée, pas non seulement à Kinshasa, dans les morgues, les cimetières, pour voir ce qui se passe? En principe, dans les morgues, voilà. On ne devait pas dépasser plus de 20 personnes. Et ce qui se passe dans les morgues, c'est vraiment déplorable. Donc les gens ne respectent pas la décision que le chef de l'État avait prise, n'est-ce pas, par rapport à la protection de la population congolaise. Et nous devons, même au niveau des autorités, parce que je suis dans des manques, je vois, même au niveau des autorités, je crois que nous devons d'abord nous commencer par faire respecter ça à nous-mêmes, et la population va suivre. C'est une maladie qui est dangereuse, n'est-ce pas? Ça n'épargne pas un ministre, ça n'épargne pas un député, ça n'épargne... Tant que tu es être humain, tu es vulnérable à cette maladie. Alors, je crois qu'au niveau de morgue, il faudrait que la police puisse imposer le geste barrière. D'abord, le nombre doit être respecté, de moins de 20 personnes, n'est-ce pas? Et la police doit disperser les gens qui viennent à la morgue, n'est-ce pas? Et au niveau des cimetières, c'est la même chose. C'est pendant ces temps-là qu'il y a des contaminations en cascade. C'est une maladie dangereuse. Les gens ne s'en rendent pas compte. Oui. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens meurent. Avant-hier, ici, on m'a appelé de Lubumbashi pour dire, voilà, il y a une équipe qui devait aller jouer à Mbujimayi. Et puis, dont 5 joueurs étaient positifs. Alors, cette équipe est allée trouver quelque part, il a refait le test, il a amené le test négatif et les joueurs ont voyagé et l'équipe a joué malgré le fait que moi j'ai appelé pour dire voilà, il faut reporter ce match. Maintenant, pendant ce match là, pendant cette compétition, combien de personnes ont été contaminées? Mais monsieur le ministre, il faut dire... C'est une maladie grave, mes frères et sœurs. C'est une maladie grave et il faudrait la considérer comme telle. Sinon, on risque ici de mourir comme des poules. Il faut dire qu'il y a aussi un problème parce qu'il y a des tests qui sont négatifs aujourd'hui et demain positifs, ou positifs aujourd'hui et demain négatifs. Qu'est-ce qui se passe justement? Non, c'est-à-dire il y a eu une série de tests qui était approuvé par l'INRB, n'est-ce pas? Et ce sont ces tests-là qu'on utilise. Mais quand vous allez chez n'importe qui, n'est-ce pas, pour vous faire tester, ou bien vous lui donnez l'argent, comme on voit ici, par-ci, par-là, vous lui donnez l'argent, et il vous fait un certificat de test négatif, sans même faire le test, à ce moment-là, vous dites que voilà, vous êtes négatif, vous voulez voyager, ou bien vous voulez aller jouer à ce moment-là, moi je dis non. Je dois protéger la santé du peuple congolais. Il faut être responsable. Quand on est malade, on est malade. Un match, on peut le reporter dans une ou deux semaines, on peut toujours jouer. Vous savez, parmi ces 5 joueurs-là, s'ils sont à 5, ils peuvent contaminer jusqu'à 100 personnes. D'abord dans l'avion qu'ils ont pris, et puis quand ils arrivent en Mbujimayi, les gens qui sont là, n'est-ce pas, qui viennent regarder le match et qui sont à côté d'eux, ils peuvent le contaminer. Et parmi les 100 personnes contaminées, on peut avoir une ou deux personnes qui vont décéder. Donc vous voyez un peu le danger quand on vous dit voilà, quand vous êtes positif, restez à la maison pendant plus ou moins 14 jours avant de sortir. Et là, on constate que les enfants comprennent assez même bien la sensibilisation par rapport aux grandes personnes qui refusent d'accepter qu'un. Quand de grandes personnes, malheureusement, bon, je ne sais pas pourquoi, on va dire que cette maladie n'existe pas, ou nous sommes en train de... tout un pays où le monde entier est en train de chercher l'argent auprès de la Banque mondiale et tout ça. Est-ce que c'est raisonnable? On vous a même accusé d'acheter les cadavres. Moi, je crois que tout le monde a compris, parce que je disais que même si vous ne comprenez pas maintenant, plus tard, vous allez comprendre. On a fait des recherches ici, il n'y a pas eu d'achat de cadavres ici.
Mais la maladie continue. Et les gens meurent. Quand vous allez dans les hôpitaux, que les gens qui doutent, parce que j'ai appris qu'il y a deux intellectuels qui doutent de cette maladie, qu'ils aillent dans les hôpitaux, qu'ils aillent faire des recherches au niveau de l'INRB, parce qu'à l'INRB, on peut leur montrer la photo. Parce que ces gens-là jouent aux symptômes, ils veulent voir. On peut leur montrer la photo de ces virus, voilà, c'est ces virus-là qui tuent. N'est-ce pas? Et je ne vois pas pourquoi les gens ne veulent pas accepter que nous sommes en danger. À Kinshasa d'abord, il y a combien, quel est le nombre de centres de santé qui prennent en charge les malades atteints du Covid? En tout cas, pour l'État, nous avons Ndadima, nous avons ASK, c'est l'hôpital sino-congolais de Djeni, Mama Yemo maintenant, qui peut prendre en charge parce qu'il y a tout un pavillon, Mama Yemo, qui peut d'hospitalisation. Et nous, quand nous sommes débordés, nous avons la clinique chinoise, nous avons les cliniques universitaires, n'est-ce pas? Et nous avons aussi l'hôpital général de King Cole, et Vijana aussi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est pour l'État, n'est-ce pas? On les a choisis compte tenu de leur positionnement géographique. En plus de cela, nous avons des privés, comme le centre médical de Kinshasa, le centre de Moncoulé, à l'imité nous avons Saint-Joseph, et puis il y a HJ Hospital, et puis il y a l'hôpital des Canadiens ici au boulevard Diamant. Tout ça, ce sont des hôpitaux qui prennent en charge. Et voilà. Donc, pour le moment, si vous êtes malade, vous vous dirigez vers ces hôpitaux-là, on va vous prendre en charge. Mais nous voulons, nous sommes en train de réfléchir avec le secrétaire technique pour décentraliser ce service-là. N'est-ce pas? Nous voulons que chaque zone de santé ici à Kinshasa puisse prendre en charge ces malades. C'est ça la stratégie. Parce que la maladie circule partout maintenant. Nous avons 35 zones de santé ici à Kinshasa. Et nous voulons que chaque zone de santé puissent commencer à prendre en charge, du moins les malades qui ne présentent pas de signes graves. Et au lieu de quitter par exemple Ndjili pour aller à Ngali, permettez-moi de vous suivre dans...
Mm-hmm.